J'aime bien les petites, les petits likes comme ça qui mangent pas de pain. Eh bien, on se retrouve pour l'épisode 4, du coup. Déjà, ça va vite, hein. Donc, on s'était laissé sur un cliffhanger insupportable. Incroyable, suspense. Eh oui, donc, je suis toujours dans le caca. Et nous avons toujours perdu. Voilà, exactement. Donc là, on s'est permis, en fait, on a fait un petit test pendant la pause. On a essayé de voir si on pouvait faire une safe state avant la question à 1500 pour voir si toutes les questions étaient prédéterminées au départ ou si c'était aléatoire à chaque fois qu'on a passé une question. Et en fait, il se trouve que c'est déterminé dès le départ. Donc c'est chiant, on peut pas gruger et passer les premières questions, c'est malheureux. Donc au moins pour la première game, on s'est permis de faire les premières questions. Et comme ça, on attaque tout de suite dans le dur, quoi. Dans le gras. Alors donc, une personne roublarde est une personne rusée. Voilà, avec le petit mouvement de caméra qui va bien pour prouver qu'on est toujours sur la même machine. Donc là, j'en étais où dans mon bordel? Alors là, t'étais en train de treuiller le... Tu l'avais pas encore remarqué, alors, non? Déjà, je vais avancer un petit peu. Tu te mets pas trop sur le côté, non? Sinon, tu vas le déséquilibrer. Non, t'inquiète, ça va. Non, ça va. Je braque à fond à gauche en même temps, clac, voilà. Nous passons maintenant aux choses sérieuses. Faut pas aller trop loin non plus, parce que j'ai un truc court. Hein. Pas comme ma bite, bien sûr. 6 000 euros. Bravo. Ah, tu peux accrocher aussi sur les côtés du... Ouais. Ça qui est vachement bien quand même. Désigne. Voilà. Une vive jalousie, un désir amoureux, une joie méchante, une colère noire. J'en ai strictement aucune idée. Alors, le démon de midi, c'est un... Attends, fais gaffe, ça consomme, hein, toujours, n'oublie pas. Ouais. Ouais, de toute façon, on va finir à plat dans pas longtemps, donc je vais faire ce que je peux pour avancer. Bah, c'est un désir amoureux, si je ne m'abuse. Allez, je te crois. Vous pensez que la réponse est B. J'espère, hein, mais je crois que c'est ça. Vos gains s'élevaient à 3000 euros, et vous venez à l'instant de doubler cette somme. Super, yes. Solide. Je vais peut-être m'en mettre en auto, là. Oula. Ah. J'y vais par un coup, je ne peux pas péter l'arbre. ton seul point d'amarrage. J'ai hâte d'avoir un treuillon. Toujours important d'avoir un treuillon. 1972, Jean-Yann réalise « Tout le monde, il est beau, tout le monde ». Il est gentil, non? Tout le monde, il est gentil. Il a peur. Il est gentil. Ouais, c'est « Tout le monde, il est gentil », je pense. Il est jeune. Attends, 72, Jean-Yann réalise « Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil », ouais. Je suppose. Vous n'avez pas de regrets? Non, pas. Est-ce que c'est votre dernier mot? Alors, comment tu vas t'en sortir? Vous aviez 6000 euros et maintenant 12000. En tout cas, ça va être ma première fois en ce qui concerne... La panne d'essence? La panne d'essence, ça m'est jamais arrivé. Ouais. T'as jamais fait le coup de la panne? Non. Non, jamais. Comme quoi, hein. Comme quoi, il faut toujours une première fois. Je pensais pas que ce serait avec moi que tu la ferais. Moi non plus, tu vois. Vous gagnez 24 000 euros. Ok, alors là je peux peut-être me permettre de la réatteler. Hein. Après elle est un peu dans un truc. Attends, c'est pas ça. La remorque est trop loin. Ah, les gars. Le Mali. Faut être précis. Le Kenya. Lequel de ces pays n'est pas africain? Eh ben le Belize. Ah ouais. Là y a pas trop de pièges, hein, je pense. Réponse A. C'est votre dernier mot. Eh, ça a l'air d'être un bon pattern cette partie. Attends, hein. Arrête, dis pas ça. Putain, on va claquer les jokers sur les 3 prochaines. Et vous gagnez maintenant 24 000 euros. On a vu que sur la géographie, on était parfois un peu dans le dur. Amérique du Sud, Amérique centrale, on ne sait pas. Ouais, alors qu'en vrai... Ouais, alors t'étais sûr de toi, je t'ai fait douter, mais je suis désolé. Ah, j'étais peut-être pas non plus à 100%, mais pas loin, quoi. Et ce n'est pas fini. Non, franchement, là, c'est pas mal, attends. 27 litres, 26. Second palier de 48 000 euros. Là, t'es à fond, là? Ah bah... Ah ouais, à fond, la baraque. Oh! Ah putain, on a encore la même. La marche turque! La marche turque, putain! Il va te hanter. Ah, va ok, j'ai passé la boue, mec, on est pas mal là. J'ai enlevé la WD le temps de. Je sais, de conserver le carburant. Là, tu dois faire un gauche-droite-gauche pour aller, si je ne m'abuse, non? Alors là. Tu dois faire gauche-droite-gauche. Ouais, gauche-droite-gauche, c'est ça. Et en plus, ce passage, il est taquin là. Ah ouais? Cette petite portion, ouais. C'est ah oui, c'est le piano, toujours. Putain, alors qu'on disait on a eu pas trop de doublons, il nous en sort un sur 3 épisodes, quoi. J'avoue. Et cette bonne réponse, vous garantissez. Ah, là, si on n'a pas le million, les gars, 3 jokers 48 000, franchement, ça serait quand même pas de bol. Ah, il nous attire le mauvais œil.
Bon, là, t'enlèves, t'enlèves toutes les assistances et tout dès que t'es sorti. Pour économiser un petit peu de carburant. Bah après, je me dis, tu sais quoi, lui, de toute façon, il va falloir que j'aille chercher les caisses. C'est un peu de la merde, autant que je laisse la remorque là. Et là, tu vas faire le plein. Je retourne au garage, je m'équipe de la grue, je vais chercher les caisses et ensuite je reprends la remorque ici. Qu'est-ce que t'en penses? Pas con. Mais t'auras toujours le même problème de carburant à ce moment-là. En plus, elle va descendre toute seule là. Alors attends, calme-moi nous. Oula. Du son par écrit. Bah oui, DAT, c'est du son, bien sûr. Dispositif audio. Transmission. Audio tape, bah bien sûr, digital audio tape. Allez, bah oui, là en même temps. Là c'est peut-être la bonne. Franchement. C'est votre dernier mot. J'ai tenté un truc complètement random sur la croix. Là on a quand même beaucoup de chat, c'est assez incroyable. Hein. Là c'est vraiment dans ton. Donc détaché remorque. Et là tu t'es pas au garage, c'est ça? Récupéré et ça fait le plan en fait quand tu retournes au garage. Et tu peux pas changer de garage de sortie, hein, qui est plus proche? Il n'y a qu'un seul garage. Pour toute la map. Je pense que. En fait, je sais pas trop. Je pense qu'il doit y avoir. Je sais pas, je crois qu'il y a peut-être qu'un garage par map. Enfin, par région, par zone. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? En fait, il y a plusieurs zones par région. La question. Mais alors, est-ce que. Parce que j'ai bien poncé. Hier soir, j'ai pas mal joué. J'ai découvert une autre région de l'Alaska. Et j'ai fait tout le tour de la map. Je n'ai pas trouvé de garage. Pourtant, il y avait un panneau avec marqué truck parking. Alors, ça se trouve, ça m'indiquait ce parking-là qui est dans cette zone-là, dans une autre zone, du coup. Ouais. Je ne sais pas, en fait. Franchement, je ne sais pas. Mais c'est un peu plus petit, ça veut dire que s'il n'y a qu'un garage pour toutes les zones. C'est-à-dire que tu es à chaque fois obligé de repartir de la même truc, sortir de la map et aller à l'autre. C'est la galère totale, ouais, c'est ça, franchement. Alors, petit animal, la belle dame est un moineau, une libellule, un papillon, une chouette. Je n'en ai aucune idée. Public. Je vous rappelle qu'il vous reste toujours la vache. Trois public. Idées, 50-50. Le coup de fil à un ami. Un public, il va être con là-dessus. Ça va être ultra partagé. De toute façon, il servira à rien. Donc, Vous avez choisi le vote du public. Public, attention, c'est le de chargement. Répondre à cette question. Réponse A. Et puis voilà. C ou D, s'il vous plaît. Et donc la roule boboule. Eh non, tu vois, c'est pas bien. Ouais, quoi que, c'est vrai que c'est bien. C'est à vous de décider. En vrai, c'était assez logique finalement. Belle dame, papillon, c'est un peu. C'est le plus joli des quatre. Ouais, mais là, clairement, le risque n'était pas trop grand. Permis. Ouais, parce que là, tu vas aller vite en plus. Là, c'est pas du sale. Ouais. T'es cool. C'est vrai que dans ce jeu, quand on est sur une vraie route, entre guillemets, puis on respire, quoi. Ça fait du bien de pouvoir un peu s'éclater, on va dire. Enfin, s'éclater. Amateur de vitesse. Ouais, attention. Bien sûr. Sans âge, j'arrive. Et ouais, ce qu'on se disait, c'est que. On parlait de Forza tout à l'heure en off. Et, je disais que j'ai maté pas mal de vidéos de ce jeu et je le trouvais vraiment magnifique. C'est un truc de dingue, Forza Horizon 4. Voilà. C'est du solide. Très très impressionnant. Et j'ai envie de me prendre le jeu juste pour kiffer l'ambiance, quoi, parce que on s'y croit vraiment, quoi. En Argentine. Polynésie française, Antilles, Maldives, Seychelles. L'archipel des Marquises. Ah, Marquises. Non, je dis de la merde. Non, je dis n'importe quoi, je confonds avec les Malouis. Marquises. Alors là, mon poste, aucune idée. Je confonds avec les Malouis, j'ai fait le coup. C'est une très bonne question, bah, je pense qu'on va pouvoir. On va pouvoir appeler un ami. Quelqu'un, hein. Ouais, je pense qu'on fait ça. C'est la question à combien, là? C'est du, c'est du 100 000, là? C'est du 100 ou du 300, hein, je pense. C'est du 300. Non, 300, non, je pense pas. Vous avez choisi de passer un coup de fil à un ami, mais souvenez-vous que vous n'êtes pas obligé de suivre son avis. Et encore, ou alors c'est 72, je sais même pas. Non, non, c'est plus que 72. Plus que 72. De toute façon, il va le dire, là. Il va dire, vous jouez pour 300 000 euros, ouais. Alain. On va voir si c'est à nouveau Alain qu'on appelle. Donc, est-ce que les caisses sont encore là? Normalement, oui. De toute façon, si tu regardes la map, tu normalement, je devrais les. Ouais, où elles sont là. Oui, j'écoute. Ah, c'est pas là. Bonsoir Anne. Anne. C'est Jean-Pierre Foucault de Qui veut gagner des millions. Oui. Il faut qu'on tombe sur une bonne femme. Votre famille bute sur la question à 150 000 euros. Ah, mais il faut que je repasse dans ce bourbier là. J'espère que vous êtes prête, Anne. Voici la question. Où l'archipel des Marquises se situe-t-il? Polynésie française, Antilles, Maldives, Seychelles. Ah, ça fait chier, j'ai pas envie de repasser là-dedans. Et à droite, c'est de la merde. Ouais. C'est pire. Non, c'est pire que tout. Ah, quoi qu'il vaut mieux que j'aille vers les armes.
La Polynésie française, pif. Ok. C'est à vous que revient la décision finale. Ah là là, tu fais chier, jeune Jeanne. Vous préférez-vous choisir une autre réponse ? À nos scores, finalement. Ouais. Ouais, bon, bah, du coup, elle a dit réponse A, mais au pif, hein, elle a dit un dit, donc on est d'accord qu'on. Ça nous attend. Oula ! Ah, j'ai l'impression qu'on est embourbé dans les deux, sur les deux écrans. Là. Ouais. Bah là, j'ai envie de te dire. 50-50. 50-50, ça se trouve. Là, je mets le 50-50. Vous avez choisi d'utiliser le 50-50. Ordinateur, s'il vous plaît. Ah putain, mais là, en fait, tu fous de galère même sans les. Voilà, oh, ok, bon. Polynésie ? Il ne reste pas. Ah, c'est vraiment pas de bol que ce soit pas ça. Hein. Et D. Ouais, mais elle a dit au pif, donc je pense que vraiment il y a. Mais allez, on envoie la Polynésie, merde. Ce sera la faute d'Anne finalement, enfin pas la nôtre. De toute façon, là, la fin de la mission n'est pas encore proche, je ne te cache pas. 150 000 euros sont en jeu. Ah, il est content. Une sacrée somme. Que putain. Ah, c'était 150 000, d'accord. Elle a dit au pif. Putain, mais attends, on va bien gérer là, c'est cool. Hein. Allez, deux questions, on a le million, les gars. Oh la vache. Regarde-moi ça là. Ah, du coup, on a oublié de faire l'intro avec le pire. Ah merde, putain, on avait préparé. C'est pas grave. Ça, doubler cette somme, voire même atteindre le million. Mais attention, si vous répondez à la prochaine question. Ah, ça a l'air compliqué là quand même, non ? Là, t'es. Ça me casse bien les couilles là, on peut le dire. J'ai l'impression que c'est pire que tout à l'heure. Il y a une évolution un peu de la map ou. Bah écoute, ça a gardé les traces, je pense. La plaque est plus grosse, j'ai l'impression. Ah ouais ? Ça, je ne sais pas. Peut-être de fumée. Putain, là, je suis Kébou. Ah, ça, c'est American Psycho. Oh, bah ça, c'est facile, putain, yes. Alors ça, alors, ça c'est très, très facile. Cadeau du jeu, on prend. Hein. Alors la treuille, clac, clac, et plutôt ici. Je vous rappelle que vous possédez actuellement 150 000 euros. On a trop de chat sur cette run. Si vous m'avez donné une mauvaise réponse, vous perdez 102 000 euros. Putain, faut pas que ce soit une question de merde impossible la dernière. Ouais, tu peux aller au bout, là. Hein. Ouais. Attention. Ah, quelle misère, putain. C'est bien, t'y es. T'es passé là, c'est bon. Jusqu'ici, vous avez fait un parcours exceptionnel. Tu vas le petit trail là pour te remettre dehors. Oh, c'est un pro player maintenant. Ah, il va falloir le refaire dans l'autre sens, nom de Dieu. Et avec la remorque. Parce que là, c'est même pas sur ton. La remorque, il y a eu aussi. Ah oui, non, si, là, il s'est dessus. Ouais. 300 000 euros. Il faudra espérer que ce soit bien attaché. Quoi. Ultime. Bonne chance à vous. Question. Sur la question, à 1 million. En 1956, oh, putain, le célèbre film La traversée de Paris a été réalisé. Gérard Rouet. Marcel Carné, René Clair, Jean Renoir, Claude Autant. Non, j'ai tenté. merde. Franchement. Je dirais quoi comme ça. Putain, mais ils sont loin encore ces piles de caisses là. Non, je sais pas. Le célèbre film. Marcel Carné, ça sonne bien. Je sais pas pourquoi. J'aurais dit Jean Renoir, tu vois. Jean Renoir ? Comme le peintre ? Pourquoi ? Parce que finalement. Et je veux dire que t'es. T'as eu une intuition folle depuis le début. Est-ce qu'on on tenterait pas le tout pour le tout ? Ouais, enfin tu dis ça, mais la dernière fois que j'ai répondu à une question à 1 million, je me suis planté. Hein. C'est vrai. Donc me fais pas trop confiance. Hein. Marcel Carné dans ce cas ? Ah putain. Si c'est Jean Renoir, je me la coupe. Hein. Et ça va être Claude Autant Lara. Ouais, putain, et le puis blast, il a pas de regret. Non, il n'y a pas de regret comme ça. Le mieux, ce serait que ce soit René Clair ou Claire Autant Lara. Bah comme tout à l'heure, hein, quand c'était le pire, là, au final. On avait. Dans tous les cas. Marcel Carné. T'as pas un feeling avec Carné là, comme ça, je sais pas pourquoi. Franchement non mais. Allez, Jean Renoir. Bah putain. Je t'ai fait confiance. T'es vraiment pas emballé. On envoie. On lâche la manette. Quel suspense. Quel suspense. Alors je pense qu'il faut faire demi-tour avant. Ouais. En répondant à ces 15 questions. Oh, ça a pas l'air bon. Mais souvenez-vous qu'ici. Aïe aïe aïe, seules les bonnes, ouais. Seules les bonnes réponses comptent. Marcel aïe. Carné. C'est rageant, je vous l'accorde, d'autant que vous venez de perdre 252 000 euros.
Clodotan Lara, quoi. Et là, c'est pas autant on emporte le vent, mais autant on emporte le million. Ouais. Ah, bien sûr. Très bien. Toutes mes félicitations. Bon, ben, j'en relance une. Pendant ce temps, toi, tu fais ta petite manœuvre de demi-tour dans le bourbier. Ouais. Attends, j'ai peut-être déjà foutu les caisses à la con. Alors. Non, je pense que tu devrais faire la manœuvre avant. Hein. Bon, pourquoi ça... Le demi-tour avec les caisses, tu vas te faire chier, là. Bon, non, franchement. Ah, ouais, bon, pas de soucis, je pense. Alors. Avec leur démarrage, il va être complexe. Hein. Alors. Donc, clac. Je vous souhaite bonne chance. Voici tout de suite la première question pour 200 euros. Là, il y a une belle opération de grutage en cours. C'est un peu chiant quand même le Yaki. Série télé, Super Roller. Attends, j'ai un peu de mal. Mais je me demande s'il n'y avait pas une option, on a vu, pour cacher les aides là. Si tu veux. Je sais pas. Les aventures d'un super engin dans la série télé, Supercopter. Enfin, série télé, Supercopter. Bon, encore une fois, j'arrive pas à la mettre droite, c'est terrible. Parce qu'il y a une option qui se débloque, genre déposer ou machin. 300 euros, question. Non. Bah. Attends, y'a rien. Tirer, baisser, déplacer la grue. Non, non. Ah, en rotation cargaison. De cap et d'épée, animalier, érotique. Oula, la tour infernale. C'est un film. Catastrophe. Je sais pas, je. Non, j'ai pas vu, mais oui, je pense que c'est ça. Allez, vous sur 100%. Putain, c'est... Alors, on va passer pour des extrêmes connards, non. Bravo. Oui, bravo. Bon, tour infernal. Ça va être la tour du donjon et cap et d'épée. Hein. Alors, bref. 500 euros. Sans transition. Là. Donc, la décision est-ce que maintenant. L'autorité administrative est alors, attends. Retardé. Est-ce qu'on peut... Stopper. Ouais, voilà, super. D'accord, ok. Empilé, très bien. Donc... Alors, la décision écrite d'une autorité administrative est un agrafé retardé, c'est un arrêté. Bon, désolé, hein, je n'ai pas l'habitude avec la grue, vous l'aurez compris. Hein. Ouais. C'est un peu le l'air, c'est un peu la misère. Et là, en plus, ouais, les notions de distance ne sont pas forcément faciles. Cette là. Question vaut 800 euros. C'est l'inverse. Quelle ville porte le même nom qu'une danse à la mode dans les années 20? New York, Charleston, Dallas, Washington. Ça, c'est quand même pas évident la grue là. Vous avez raison. Avec l'aide, c'est vrai que c'est un enfer. Ok, allez. Il y a grosso merdo, on est pas mal. Alors merde, par contre. 1500 euros. Aïe, aïe, aïe. Non, tu peux pas, c'est-à-dire que tu l'as pas bien. Non, mais regarde, il est pas posé. Ah oui, non, je suis con, j'ai pas lâché. Non, mais surtout que là, c'est pas posé, non? Là, ça touche. Voilà, si, si. Ça, tu penses ça va aller, ça? Non, déballage. Non, tu vois, parce que là, elle est pas full contact au sol. Ouais, mais attends, je fais ce que je peux, moi. Mais non, mais bien sûr, mais je pense. Ah merde, on a. Oh, nouveau oncle Picsou. Putain, c'est... Non, mais c'est vraiment une misère, la grue. Une bonne réponse, vous garantissez. Et tu peux raccourcir le fil? Bah, je sais pas comment on fait, j'ai pas l'impression. Enfin, sans doute, hein. Mais... Oula. Oh. Attends, si. Ah, mais si, c'est avec le... ça doit être avec le treuil. Oui, c'est ça, en fait, je pense. Ouais, c'est ça. Quel suspense. Vous voici maintenant à la tête des 1500. Putain, on dirait un autiste là, je suis désolé, mais j'arrive pas là. Et vous pouvez tenter de doubler vos gains. Mais en plus, quand elle est très droite comme ça, c'est dur de savoir dans quel sens elle s'oriente et tout. Ouais. Allez, on est pas mal là. Sur une route, l'espace aménagé entre la chaussée et la. Oh mon dieu, j'espère que j'aurai plus jamais à faire ça dans le jeu. La bretelle, le carrefour, l'accotement. Bon, là, c'est dessus. Ah non, il me dit déballage. Attends, si je fais déballage, après, je peux peut-être réempiler. Est-ce que c'est votre dernier mot? Bah en fait, c'était bon tout à l'heure, j'aurais pu le faire, je pense. Ah, c'était quoi? Ben non, il y avait quoi comme option? Là, ça m'a mis déballage et en fait, c'est bon, ça l'a fixé. Donc. D'accord, ok. Ça n'est pas très clair tout ça. Alors, bah, attends, range, t'as pas rangé les sites? J'ai tellement galère que la nuit est tombée. Quoi. Donc là, on est bon, écoutez, je vais mettre les phares quand même. Tout se passe bien pour vous. Tout se passe bien pour vous. Il n'y a pas beaucoup de faune, hein, pas de sanglier, pas de. Pas de grizzly, pas vu, de... C'est vrai que c'est dommage, ça. Ouais, c'est cool. Mettre. Charge de sanglier sauvage qui essaye de t'empêcher de ramener ta cargaison. Effectivement, il faudrait qu'ils essayent d'y penser. Bah, ça consomme quand même. Hein. 13 litres... 13 litres. Oh putain, merde. Ah. Moteur calé.
Et donc là, c'est quoi? Il faut que tu réinitialises. Ah putain. Tu peux te relever? Tu m'as parlé de l'essence, ça m'a troublé. Ouais, j'ai eu un instant de. Non, je vais pas t'accabler, c'est pas de ta faute. Quel con, putain. C'est une blague, franchement, je suis deg. C'est les pensées, les fleurs bleues volées en forme de clochette, c'est ça? Je vous rappelle qu'il vous reste toujours vos trois jokers, le 50-50, le coup de fil franchement, à la nuit, et le vote du public. Tout ce qui est fleurs, c'est pas trop moyen. C'est votre dernier mot? Thalys, on sera témoin, hein, je pense. bon là... Le gain s'élevait à 3000 euros, et c'est une mauvaise réponse, vous repartez avec 500. C'était les campanules. Ah merde. Je sais plus. Ah, mais personne ne sait ça, les gars. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Et là, c'est le double échec. Hein. Fail total sur cet épisode. Oh putain, mais c'est une galère monstrueuse là, franchement. Que faire? Est-ce que... Bon, là, j'ai deux options. Soit tu réinitialises. Soit on recommence et je me retape exactement ce que je viens de faire, ce qui est extrêmement relou. Soit je prends un autre camtar pour essayer de tracter celui-ci, comme ça au moins j'aurais pas à refaire le coup de la grue. Mais il faudrait que je passe par un autre chemin parce que c'est quand même chiant la boue là. Tu penses qu'avec l'autre là, parce que là c'est le tout terrain. Sinon je vais prendre le scout, alors est-ce qu'avec le scout je vais réussir à tracter ça quoi? Est-ce que je vais pouvoir le remettre droit? Je suis pas sûr, mais on peut tenter. On va tenter, on est là pour tenter des trucs les gars. Ah mais là, c'est la foule merde. Là, je vous montre du gameplay quand même. Hein. Je vous montre beaucoup de situations. Donc, là... on va dire que c'est intéressant. Et donc, attends, avec ça là, qu'est-ce que tu vas. Ouais, avec. Ça, ça tire ça? Ça tire, ouais. Mais après, ça va peut-être être un peu lourd, tu vois. Ah, bah là, mec, avec ça, tu relèves un camion, tu penses? Bah écoute, j'avais déjà fait des trucs. C'est pas ça, exactement tu comme ça. Un bout mais... de bois, mais. Du coup, je relance une run. Ouais, bah oui. Allez, on en voit. Un épisode qui sera un peu plus long, je crois. Ouais. Enfin, quoique. Tu passes par là? Ah oui, parce que t'as envie de faire le tour pour éviter de te taper le full board. Quelle question? 1 million d'euros. Ah, par contre, j'ai 80 litres, hein, là, ça va être chaud. De 50-50. Mais tu vois, ça te passe quand même là. Ouais, mais ton but, là, de toute façon, c'est juste de le remettre. Ouais, et après, ouais. Tu swaps. C'est ça, c'est ça. Première question pour 200 euros. Ah oui, d'accord. C'est peut-être un mauvais plan, hein, franchement. Moi je vois pas ça assez puissant. C'est toi qui connais tes belles machines. Un trombone. J'y crois pas trop non plus, mais bon. Un saxophone. Ah, attends, une flûte. Si t'attaches, ouais, c'est un truc. Bravo, 200 euros. Bref, ça, la défaite sur les campanules, quand même. Hein, 300 euros. Non. Ah, non, bah, non. C'était nul. j'ai essayé de t'intercepter avant, mais. Successivement. Là, j'ai passé le vin de connard. Mais c'est vrai que ça consomme pas beaucoup, c'est l'avantage, hein. Ouais. Ah, puis là, c'est agréable, tu vois. C'est fluide. Là, tu fais de la limite. C'est de la course automobile, là. Ouais. Alors, attends. Quand t'as plusieurs on chante ton canon. Effectivement. En sarabande. Est-ce que c'est votre dernier mot? Ah, quand même, un petit coup de trail, là. Ouais. Aïe. Et donc là, je vois qu'il y a une zone de trail qui peut être plus ou moins grande. C'est plus elle est grande, moins il est fort, le trail, c'est ça? C'est-à-dire j'ai vu que tu avais plusieurs zones, c'est des cercles là qui sont plus ou moins grands. Ah, c'était juste différents points d'attache quoi. Ah ouais? Je croyais que les points d'attache c'était des trucs en blanc qui se mettaient. Oui, c'est ça, tu parlais de plein. Là, il y a un cercle vert là, t'as vu? Et il peut avoir différentes tailles. Alors j'avoue que. Parfois il est petit. Ouais, bah je pense que ça signifie. Alors attendez, excusez-moi, je vais les cacher. Ça doit être tout simplement. Ok, non, mais parce que l'air d'effet du bordel selon où tu le mets, tu vois. Ouais. Peut-être. Vous remportez 300 euros. Bon, en fait, c'est un peu. C'est la galère. Si on vous invite à un diaporama, vous allez voir une série de diamants, diapason, diapositive. Parce que je crois que j'ai pas de pneus. T'as pas les pneus J'ai les pneus caca là-dessus. Hein. Bonne réponse, bien sûr. 500 euros. J'aurais peut-être dû checker si j'avais pas d'autres pneus à mettre. En fait, c'est chiant parce que les pneus, pour l'instant, j'en ai jamais trouvé dans la nature. Parce qu'en fait, on trouve des améliorations dans la map. J'ai trouvé des suspensions, des boîtes de vitesse, des trucs, mais jamais d'autres pneus. Donc, sur une automobile, les veilleuses sont les feux. De position, d'arrêt, d'indication, de stop. Je sais pas moi.
Bah, les veilleuses, c'est... C'est pas des de stop. C'est les moi, je dirais indication ou position. Bah, de position, je pense. Le problème, c'est qu'on dit les feux de position déjà, donc je sais pas. C'est ça. Mais... Feu d'indication, ce serait feu de changement de direction, genre les clignotants. Non, mais feu d'indication, ça n'existe pas. Enfin, c'est quoi ce truc? Je sais pas. Bon, vas-y, on tombe. Vous avez raison. Bah, oui. Vous remportez 800 euros. Non, j'ai peur que ce soit un terme non connu. On commence à douter sur de la crotte là. Ouais, bah, non, mais là, je peux te dire que ça nous a fait mal le million et les campagnules derrière. Ouais. Ah, mais tout fait mal là. Cette mission elle est terrible, putain, c'est dingue. Botte en touche. Putain, là tu fous le galère. Une bonne réponse, vous gagnez 1500 euros. Bien joué. Merde. Vous avez atteint le premier palier. Ok, parfait. C'est déjà épique pour y aller, putain. Ah mais c'est vraiment une simulation, le truc là pour le coup. Qui sont à vous, quoi qu'il arrive, et vous pouvez tenter de doubler vos gains en répondant. Attends, à je suis bien sur le bon chemin là. Ouais, toujours. Tu vas descendre là ou... Ouais, d'accord. Un demi-tour effectué sur place par un skieur est une transformation. Oula. Conversion. Translation. Tournant, pirouette. Oula. Je dirais une conversion, mais. Aucune idée. Conversion peut-être. Je sais pas, franchement. Moi j'aurais dit ça, mais encore une fois. Oh, de toute façon, on va pas claquer un peu. Oui, non, nique ça. Conversion, allez, je vous rappelle que dès que nous avons enregistré votre réponse, vous nous, ah, il là, nous met la pression. Il nous met la pression. En descente, faut juste pas se retourner, c'est ça? C'était une question à 3000 euros. Oui, c'est bon. Vous en pochez. Allez. C'est vraiment épique hein, d'y aller de là. Est-ce que ça aurait pas été mieux de passer par la route et de bifurquer à gauche ensuite? Nous passons maintenant aux choses. Ah, dans la boue vraiment, avec, tu sentais pas avec là, ça. Ouais. Crois pas. Et la question suivante vaut 6000 euros. Après, l'avantage c'est qu'il aurait été plus léger, donc peut-être qu'il serait moins bourbé. Hein. Inférieure d'une automobile et... Ah, pas sûr. Une jupe, une robe, un manteau. Putain, mais ils font chier avec leurs questions d'automobile. Bon, tu me diras, c'est raccord avec avec SnowRunner. Hein. Ah putain, attends, ça me dit quelque chose, j'ai déjà eu cette question. La jupe? J'ai déjà eu cette question, non, mais je m'étais planté et je me souviens plus de la réponse. Donc là, on est mal. Alors, c'est... Ah pardon, ça fait la caméra, effet. Je crois que... Attends. Putain, on est full nul. Hein. Voyons, on est full nul. C'est pas un veston, clairement. Jupe ou robe? Je vous rappelle qu'il vous reste toujours vos trois jokers, le 50-50, alors, le coup de fil à un ami et le vote du public. C'est pas robe, je pense pas. Je crois que c'est ça que j'avais répondu, c'était pas ça, il me semble. Manteau, jupe, robe. Je sais pas. Bah, franchement, j'ai aucune idée, je vais pas te dire de. Vas-y, public, parce que j'avoue que là. Je vous peut-être dit jupe, tu vois. Toujours vos trois jokers. Le 50-50, jupe ou manteau, le coup de fil à un ami et le vote du public. Ah, manteau, c'est bizarre quand même. Vous faites donc appel au vote du public. Public, je sais pas, j'en ai franchement, il y a des trucs. Pour tenter d'aider notre joueur. Réponse A, B, C ou D, s'il vous plaît. Public. Ah putain, le pire, maintenant. C'est que j'ai peut-être tout ça pour rien là. Mais là c'est pas terrible. Peut-être, c'est quasi sûr. Jupe, ok. Ah, jupe, tu vois. Il semble certain que la bonne encore une fois, j'aurais dû m'écouter. Maintenant, qu'en pensez-vous? Putain, enfin, tu vas pouvoir faire le plein ici ou pas? Ou non, ah, pas, non, on s'en fout. Pardon, une jupe. Réponse B, c'est votre dernier mot. Bon, un épisode un peu plus galère que le précédent quand même. Hein. Là, non, mais j'ai fait le con là, putain. Euros, j'ai renversé le camion direct. Quoi. À l'instant de doubler cette somme, vous remportez 6000 euros. Un épisode renversant, mais peut-être pas dans le bon sens finalement. C'est ça. Maintenant, attention. Ah, puis au final, ça galère à fond avec 12 000 euros. Là, putain. C'est la full souffrance là. Au loto, combien de numéros faut-il cocher sur une grille de jeu? Oh putain. Je sais pas moi. 6. Je n'ai jamais joué au loto. Eh ben, moi non plus. 10. Allez, 10. Attends, les 8. 8 ou 10? Ah, je dirais 10. Hein. Allez, go.
Et à un moment, de toute façon, elle est pourrie, cette run. On se tape que des mecs, questions pourries à un moment. Ouais. Ça, c'est pourri, ça, c'est pourri. Ouais, à un moment, voilà. Allez, JP, sois sympa. Oula, non, il est pas content. C'est 8. Aïe, aïe, aïe. C'est 6. 6, bon, bah, pas de regret. Bon, bah, au moins, vous voyez qu'on n'est pas des pigeons à jouer à des jeux d'argent. Mais n'hésitez surtout pas à retenter votre chance. C'est vrai. Donc, qui veut gagner des millions? On peut jouer au bingo, le bingo dégueulasse. Aïe, aïe, aïe. Ça se passe. Ah, et là, je sens que ça va être relou de ouf. Ça tourne mal, explication. Parce que je suis très loin, là. Ah ouais, t'es vrai. Enfin, ah non, mais c'était pas le bon plan, en fait. J'avoue que, quitte à perdre du temps dans la autant grosse... tenter dans le bourbier, quoi. Ouais. Ah, puis tout ça pour rien, tous les coups, je vais pas pouvoir... Non, mais c'est n'importe quoi, ce que je fais. Tu vas jamais le problème, c'est que on peut pas le savoir avant de... Ouais, avant de le faire, quoi. Avant une heure, quoi, ouais, le temps de faire les choses, quoi. À quoi qu'avec le truc, là, c'est pas mal. Ah, là, ça passe. Voilà, quel monde. Faut le lâcher au bon moment, quoi. Voilà. Je me laisse emporter par... Alors, voici, tout de suite, par la foule. Ça fait environ une demi. Déjà? Ouais. Oh, putain. Bah, on a souffert sur celui-là en même temps. On a fait une run à 1 million. Ouais. Deux runs ratés, et toi, t'as eu le temps de retourner à l'endroit, charger les caisses. Dur quand même. Ah, au final, j'y suis presque rien. Je vais y arriver là. Marché, vous pouvez acheter du raisin blanc, du raisin noir, bien sûr. Bien sûr, évidemment. C'est la bonne réponse, évidemment. 200 euros. Alors ici. Là, c'est tactique. Tu vois, on a nos traces. Hein. Là, c'est technique. 300 euros. On a nos traces. Généralement, tu nous trahis ça là. Bicyclette. Mobilette. C'est vrai que c'est assez impressionnant qu'il y a les traces et c'est une bonne question de savoir quand est-ce qu'elles disparaissent. Ouais, si je pense que si je vais sur une autre map et que je reviens ensuite sur celle-là, ça aura disparu. Alors, mais sinon... Finalement, on ne trouve pas de guidon sur une bicyclette, mobilette, brouette, patinette. C'est brouette. Vous pensez que la bonne réponse est C? Aucun point d'ancrage. Et c'est la bonne réponse. En fait, ouais, tu dois être tout le temps treillé pour. Ouais, mais ça permet d'accélérer. Mais... Ah, parce que c'est vrai qu'il y a le carburant en revanche quand c'est treillé. Ouais. Mais les poteaux, c'est le must parce que c'est indestructible. T'es tranquille, quoi. On y est presque, on y est confiance. Presque. Allez, c'est parti, réponse D. Pardon, ça coupe l'accélération. Vous gagnez 500 euros. La montée, elle va être rude, là, je sens. Et surtout, ça penche. Oula. Cette question vaut 800 euros. Alors là... Là, ça va être technico-tactique. Un joueur de tennis, boxe, football, carte. C'est tennis, la réponse. Ah, t'es pas mal, là. Tu négocies pas mal, ça. Vous avez raison. Et vous en restant sur la droite, là, c'est pas mal. Allez. Juste là. Putain, j'espère que ça va le faire, ça. Nous arrivons au premier palier, puisque cette question vaut 1500 euros. Ok. Laquelle de ces propositions ne désigne pas un potage? Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de place, là, pour faire le truc dans le bon axe. Alors, je sais pas comment ça va se passer, en fait. Bouillon. Parce que là, en fait, il faut que tu te mettes devant, tu treuilles derrière. Il faut que tu treuilles à gauche pour essayer de la tirer. Moi, je treuillerai, ouais, c'est ça. Ah, et pour la... Mais là, le problème, c'est que, ouais, comme tu dis, t'as aucune place, en fait, pour manœuvrer, là. Ça va être compliqué à dos, mais sait-on jamais. Oh la vache, déjà, il galère. Juste tout seul. Écoute, j'ai envie d'essayer. Attends, alors, laquelle de ces propositions ne dessine pas un potage? Bisque, consommé, bouillon, rhum. Voilà, à la rigueur, je vais peut-être me mettre deux jours quand même pour bien voir ce qui se passe. Bisque. Ne dessine pas un potage. Je vous rappelle qu'il vous reste toujours vos jokers, le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Bah, une bisque, c'est. Enfin, c'est une sauce, c'est pas un. Oui, c'est pas un potage. C'est pas un potage. Mais... Après un ragoût, il y a des choses dedans, c'est pas un potage. Ce serait peut-être plus ragoût à la limite en fait. Je sais pas. Là je. Je pense que ce serait plus le ragoût en fait. Mais bon, une bisque c'est pas non plus un potage. Je vous rappelle qu'il vous reste toujours vos 3 jokers. Moi je vois plus ça comme une sauce. Effectivement, c'est vrai que. Moi je dirais plus un ragoût en vrai. Mais je ne veux pas prendre entière responsabilité de cette erreur monumentale. Alors attends, je fais comme si de rien n'était, alors le jeu. Le mec disparaît, non j'entends rien, de toute façon là. Alors. Ah
Ouais, c'est quoi ça, moteur calé? Ah d'accord, ok, que l'autre. Ah non, mais ça tire rien du tout. C'est toi qui tire. C'est toi qui te fais tirer vers le. Alors prenez votre. Ça marche pas du tout, d'accord. Ouais. Bon, au moins t'aurais essayé. Hein. Et tu peux pas en treuillant par derrière et en essayant de monter, mais il y aura jamais la puissance. Bon, j'envoie un goût pendant ce temps pour faire une fin d'épisode dégueulasse. Ouais. Je tente à goût. S'il s'agit de la bonne réponse, vous remportez 1500 euros. Malheureusement, c'est la bonne réponse. Oui. Donc là, tout n'est pas raté. Ouais. J'aurais eu la honte cosmique. Elles sont bizarrement tournées, je dois dire. Les. C'était un peu salaud là. Alors après, vous si... avez gagné 1500 euros. Ouais. Cette somme vous appartient et vous repartirez de toute façon avec. Là, c'est la fausse merde. Question, vous. Il faut que tu... Ah bon ? Faut que tu prennes le... Attends, j'arrive pas à sélectionner le bon point. Allô ? Ouais, celui-là, non ? Celui du dessous ? Ah non, celui du dessus. Oui, t'as raison, la physique est plus... Il se passe absolument rien. Là. NASA. Et là, tu fais marche arrière ? Ah, c'est ce que je faisais tout à l'heure. Mais... Indice boursier, c'est le Nasdaq. Vous pensez qu'il s'agit de la réponse ? Bon, sinon, j'aurais dû prendre un autre camion, mais voilà la galère que ça aurait été pour venir ici. Et attends, juste pour voir, est-ce que sinon, si je fais un truc... Tu veux pas aller chercher encore un autre camion pour la... le truc, tu vas transférer ton parking ici. Ah zut. Tu veux essayer de la pousser ? L'idée était un peu bête, je vous l'admets, mais... Je voulais quand même essayer... Alors, vraiment, là, c'est impossible. Non, mais en fait, ça bouge pas. C'est beaucoup trop lourd. Après, attends. Je vous souhaite la même réussite. Sinon, on peut faire un autre truc. Et sinon, tu libères les caisses, t'essaies de le retourner... Et ensuite, tu remets les caisses dessus. De toute façon, ça va se finir en... on abandonne tout le monde ici. Gratuit, remboursé, daté. Et là, à la rigueur, on va faire par étapes, tu vois. Un billet d'avion open est un billet non daté, gratuit, attends. Remboursé, daté. Au secours. Qu'est-ce que c'est que cette merde Ça doit être non daté, je suppose, non? Ouais, je pense que t'as raison. Ça paraît logique, non ? Ouais. Allez, aucun de vos trois jokers. Je vous rappelle que dès que nous avons enregistré. Bref, donc j'ai quand même peu d'espoir que ça change quelque chose. Mais... Vous êtes sûr de votre choix ? Elle va être quand même nettement moins lourde, là. Parce qu'on va voir si... Ah ouais, ça fait toute une différence. Aïe, aïe, aïe. Après, dans l'autre sens, peut-être que... Vos gains s'élevaient à 3000 euros, et vous venez à l'instant de doubler cette somme. Vous remportez 6000 euros. Bon. Ah, c'est la full merde, ouais. Ouais. Comme tu dis. Et là, ils sont en train de faire des belles traces de pneus. c'est sympa. T'as vu là le cercle vert, il se. Vous avez gagné 6000 euros. Voici la question suivante pour 12000 euros. Non, vraiment. Avec c'est ta voiture c'est qui se ramène. Aucune puissance, c'est pourri. Ouais, bah... Bon, c'était somme toute logique, mais il fallait essayer tout de même. Le sondeur. Faut faire ça avec un autre camion à l'arrière. Donc ça, je récupère. Qui indique le cap. Non, alors, dis-toi. Le sextant, je suppose, hein, on est d'accord. L'instrument de navigation qui indique le cap. Ouais, c'est le sextant, je pense. Toi, t'aurais dit qu'on passe. T'aurais dit qu'on passe. Non, je dis rien, j'ai un petit doute, là. Il prend pas la responsabilité. J'ai pris la responsabilité sur Ragout, déjà. Ouais, je prends la responsabilité sur sextant. Merde, on a qu'une vie. De toute façon, ça fera une fin d'épisode, c'est parfait. Bon, c'est D. Putain, ça casse les couilles ça. Non, mais là je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. Hein. Vous aviez 6000 euros. Ouais, tu le sais. Hein. Et maintenant, vous n'en avez plus que 1500. Allez, putain. Le sextant, alors je sais même quoi c'est. C'est pour repérer sa position par rapport aux étoiles. Je sais pas. Dommage, pourtant, vous n'avez je fais pas beaucoup de navigation. C'est-à-dire que. Déjà le camion c'est compliqué. Ouais, c'est... Donc, alors quand, si en plus il y a des vagues. Bon. Putain, mais on va jamais finir cette mission ou quoi les gars là. C'est la pause ? Putain, c'est le seum, mais l'épisode pourri, quoi. On a zéro, là. On est revenu au point de départ. Ouais. Il s'est rien passé. J'ai avancé les caisses, peut-être, de 30 cm. On est pas mal. Pour se re-renverser à nouveau. Ouais. Ah ouais, bah écoute, on... Putain, mais attends... On dit au revoir. Bah ouais, écoutez, je pense que c'est comme ça que ça se passait. Hein. Bon, on vous retrouve pour la suite. On va essayer de finir tout de même. Et puis voilà. Hein. Allez, les gars, ciao. Des bisous. Ciao.